is promised tomorrow. This story is not yet finished. Champion de conférence. En fait, c'est des trucs qui sont plus forts que d'autres. Wait, what? Shogat, Caitlyn. Shogat, Caitlyn. Alone. No one is promised tomorrow. Fate hunts you today. Oh, je vais mettre ça, hein. Trophée tête, comme ça on a une Kindred. On est obligé d'avoir une Kindred là. J'aime bien cette mine en vrai. I alone decide my fate. On push pas parce que on a Slamine. Je vais laisser l'XP de Slamine me XP naturellement. Pas énormément d'écho. Là on passe niveau 4. Oh oh oh, c'est la game. It's the game, guys. It's the game. On est trop bien là. On n'est pas contest en plus. Allez, force à... force au lobby. Hein. En vrai... En vrai on prend hein. Yeah.
C'est pas spécialement le truc qui me rend le plus fort tout de suite, mais... Je sais pas si c'est Spellcrit ou Ionic. Je dirais Spellcrit quand même parce que c'est un trash. Life gives you sour bandleberries. Make bandle brew. Je sais pas si on préfère. Nah, maintenant qu'on a un spell crit, on a plus envie de garder ça. I herald the greatest blessing. Death is not always a release. Les deux Rexha se sont knock up en même temps. Nice. The weft and weave of fate died. Horde spoil the chase. I held the greatest blessing. En fait, si on met 3 fêtes, on peut avoir soit Aphelios, soit Thresh. Si on met que des behemoths, on est sûr d'avoir Thresh. Parce qu'il y a un seul 3 cost en behemoth. Puis on va avoir Thresh 2 en fait. C'est important de tailor le board pour ce champion de conférence. Ouais, c'est vrai, je suis plutôt smart. C'est vrai, t'as le droit de le dire. Non, mais c'est vrai, hein. Faut dire les choses. Et là ça marche pas, FF. C'est le mec. I herald the greatest blessing. Come, let me show you darkness. Bon alors on push hein. Oh le bord des zinzins, j'en pleure. Du coup Ionic hein. Non, ça marche pas de faire ça. Vas-y, je mets ça là.
C'est pas ouf la spade de Réadan. En fait, ce qui est pas ouf, c'est que ça donne une Titan. Je vais juste prendre ça. And we, the fate guides. Words spoil the chase. Vas-y, fais qu'ils t'en fait une gunblade. Il nous conteste, hein. Est-ce que le lobby est plutôt AP ou AD? Harry que Syndra, oui. L'AP de Harry est trop forte. Tu dois tout le temps link Harry quand tu joues au Fated comme ça. Tout le temps. Et après c'est Harry avec qui quoi. Ok, on est contest par Spotify. Lobby est quand même vachement AP hein. Ça, on va juste prendre une cloque. On vise une D-claw le plus vite possible. Sans HP. C'est quoi ce board de zinzin qu'il a? Cette abomination, y a pas moyen en fait. Il a tanké 9k damage. Tout LC, tous ses persos ont 10 000 HP. Triple item Eloy, 2 items Regen. J'avais de l'anti-heal mais pas assez.
Bon, ça change pas le fait qu'on soit genre vraiment très très bien. C'est le tag cassé qui donne ça. Non mais Wet Jungler c'est un des meilleurs joueurs européens. Ça l'était avant de rejoindre la K-Corp. Ils ont fait un très bon recrutement. C'est pour leur tournoi en 4v4 là. Je sais pas s'il le restera encore après ça, mais... J'ai pas d'infos là-dessus, donc je préfère pas me prononcer. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense que Adaptive est cool. Et on garde la belt pour une dent de Nashor. En fait, vu que j'ai pas de dent de Nashor, j'aime bien donner l'attaque speed plus la paix là. Si j'avais eu une dent de Nashor, j'aurais Link, Syndra et Harry. Mais j'ai pas encore la dent de Nashor donc j'aime bien Kindred. Oh, les 40% d'attaque speed. Ça trop fort. Voilà, si on a Baboom, on a gagné la game. Ça vous le savez. Oh, Slamine, ça marche pas pendant le PvE. Je fais quand même attendre un tour parce que généralement les gens sont pas si strong en 4-1, j'ai pas de win streak. Putain, j'aime la vie. Merde, j'aurais dû mettre Syndra dans la... Vas-y, on met la belt ici, fuck it hein. Fast 9.
frappe à Link Syndra. Je viens d'expliquer pourquoi. Littéralement, il y a 30 secondes. Aïe, 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 aïe. Il faut écouter. J'ai dit que j'attendais d'avoir une dent de Nashor. Ça casse les couilles, gros. C'est quoi ces bords de psychopathe? Lui, il est dans une de ces merdes. Ce round me met bien. Mon 9 c'est Sylas. On peut mettre Azir à la place de Rek'Sai et rentrer Alone aussi. On peut mettre Azir Alone, on peut mettre Azir Annie. Plein de choses à faire. Dans le Nashor. Ouais. Big. On push hein, on va pas attendre. Par. Il a trouvé 7-2 au niveau 8 quand même hein. C'est vraiment un putain d'high roller hein. Je vais pas dire que j'ai le rôle mais dinguerie ce qu'il a lui. Vous savez que je suis même pas confiant là, j'ai l'impression que je vais bottom.
Peut-être que je devrais mettre les items sur Azir. Ouais, je vais mettre les items sur Azir. Et l'autre il est Azir 2 8 aussi. Non mais c'est une dinguerie. Il y a trop d'anomalies dans cette game. Ah, je donne trop de reset à la Zoé en fait, c'est trop un match-up de merde gros. Il veut pas mourir lui. Non vas-y, c'est quoi cette game gros? C'est quoi cette game, la vérité c'est quoi? Non, Spotty va avoir un Azir for free là. Ok nice. Un Azir ici. Azir 2 ici. Nice. Je tac le mec qui a pas trouvé sa H2. Dis-moi qui perd. Il gagne. Pourquoi il est si bien dans sa game lui? Il devrait pas hein. On est insensible au CC aux F d'être paquet. Une folie ombrale à quel point c'est broken. C'est vraiment une folie à quel point c'est broken. Et il meurt pas.
Let's go. Top 3, ok, top 3. Je crois qu'on peut. On est 100% qualifié pour le day 2. Ok, c'est bon. Top 3, ça fait 6 points. Et 6 points, ça fait 27. C'est là, je peux top 8 la next, c'est bon. Putain, il a fallu vraiment bien jouer. Hein. Le tailoring du Thresh 2, le tailoring pour la Syndra, le tailoring pour le 7, into celui pour le Azir. Non mais ce match-up c'est injouable hein. En fait le truc c'est que tu mets des soldats et la Zoé du coup bah elle prend v'là les resets. C'est injouable ce match-up. Ok, top 3. Ouh. Tailoring ça veut dire adapter ton board à un truc qui va se passer tu vois. C'est à dire que Quand on parle de Taylor sans board pour un augment, en gros, votre quand vous avez des augments, les augments vont toujours vous donner des augments en fonction de vos synergies. Il y a deux types d'augments, les augments génériques et les augments qui peuvent ne se trigger qu'avec des conditions qui sont remplies. Ces conditions, tu peux les remplir par exemple si tu poses deux bruisers, on peut te proposer une spat bruiser en 3-2 ou en 4-2. Si tu n'as pas bruiser sur ton board, on ne peut pas te proposer une spat bruiser en 4-2 ou en 3-2. Tu vois, c'est ça, ça veut dire ça Taylor. Là, on est sur une map qui s'appelle Champion de Conférence. Chaque stage, tu gagnes un champion qui fit ton équipe. Le truc, c'est que le champion qui fit ton équipe, ça va te donner le champion en rapport avec ta plus haute synergie. Par exemple, là, le dernier, pendant le dragon, vous avez remarqué que j'ai enlevé des Fated pour que la synergie numéro 1 de ma liste, ce soit Dryad. Pour être certain d'avoir Azir, parce que si j'avais laissé le board comme tel, ça m'aurait juste donné un quatrième set. C'est pour ça aussi que j'ai... ou Krugs... J'ai enlevé des Fated et j'ai mis que des Behemoth pour être sûr d'avoir Thresh. Alors que... pour mettre Thresh alors que j'avais deux Thresh. Et c'est ça qui m'a fait Thresh 2. C'est comme ça que j'ai eu Thresh 2 aux sorties de Krugs. Et en fait, Taylor, son board pendant le PvE sur champion de conférence, c'est ultra important. Uh-huh. Parce que... Ouais, non, j'ai fait une game assez bien jouée. Un peu Errol, mais assez bien jouée. T'as fait les top combien? Top 3. C'est bon, je peux top 8 la next. Let's go. Mais et toi? Top 8 la next. Top 6. Aïe. Ouais, j'ai rien à dire. En gros, j'ai commis Zoé, Ghostly. Et il y a deux becs qui se sont amusés à venir jouer Zoé, lui.